Et salut tout le monde, c'est Yann Solo, j'espère que vous allez bien. On est reparti sur un épisode de Dying Light. Alors, on cherche la boîte de chocolat pour donner à maman, qui, je vous le rappelle, est la mère de Gazi, qui est morte. Alors, cela risque d'être compliqué ou problématique. Mon Dieu. Et j'espère que Gazi ne garde pas un cadavre dans sa maison. Ok. Un petit passage à la vitesse de la lumière. Et on arrive. Ok, nous revoilà arrivés au magasin. Alors... il va falloir qu'on arrive à se glisser dedans. Alors, j'ai une idée sur le pourquoi du comment. Allez, venez par là. Voilà, on va les faire venir par là. Très bien. Normalement, ils ne sont pas capables de grimper. Mais nous, oui. Ok. Allez. Ah, c'est ça. Je me suis demandé si c'était pas une porte à ouvrir, mais en fait, c'est bien le cas. On peut pas la refermer, non? Ok. Est-ce qu'ils vont se barrer? Non. On va ouvrir cette porte au cas où. Ok, alors. On a de la chance qu'il nous ait pas suivi. Du café. Très bien, on va pouvoir le vendre. J'imagine que c'est pour le vendre. Oh la vache, tout ce qu'il y a. Boîte de chocolat? Yes! Ok! On a les chocolats de maman! Ouh, on avait quelqu'un au derche. Allez, on est reparti, on repart voir Gazine. Il est sur une autre planète, Gazine. Et ça, c'est une certitude. Pays des gazines. Alors. Allez, je sens que ça va être épique. Voilà ton film et tes chocolats. Attends que maman voit ça. Gazi a encore gagné. Hourra pour Gazi. D'accord. Bon, je vais devoir passer par le toit. Ok. Comment je me débrouille? Je l'ai réussi tout à l'heure. Je loupe encore une fois, je suis mort. Ok. Est-ce qu'on va arriver à aller jusqu'à la maison de Gazine? Alors, tout à l'heure, on a sauté là. C'était une mauvaise idée. Non, mais il n'y a que là qu'on peut sauter. À moins que l'on puisse grimper quelque part. On peut pas s'accrocher au tuyau. Non. C'est peut-être ça le saut qu'il faut faire, mais peut-être qu'il faut le faire mieux. Ok. Ok. Alors, désolé si vous y voyez pas grand chose. C'est la nuit, ou quasiment.
Ok. On doit être presque arrivé à la maison de notre ami Gazine. Oui. Ouais, ça attire leur attention, mais bon, on risque rien ici. On est dans une zone sécurisée. Alors, le bouton Q. Non. Yes. Quand ça force, il faut arrêter de tourner. C'est ça l'idée. Alors, tout ça pour du café. Ouais. Donc, je dois entrer par le toit dans la maison. Et oui. Mais je ne vois pas d'entrée. Ah. Alors, rentrer chez Gazine, franchement, je le sens pas. Parce que alors, il est complètement barré. Et sa mère, elle est morte et il continue de parler d'elle. Alors, à mon avis, il garde un espèce de zombie chez lui. Mais alors... mauvais, mauvais. Où est-il? Fabriquer un nouvel objet, ok. Alors on va voir qu'est-ce que c'est. On peut fabriquer du cocktail Molotov. J'imagine que c'est ça. Ça nous intéresse pas. Bonjour Gazi. Le film a commencé. Maman regarde. Ok. Ah, ok. Ça va. C'est plus gentil que ce que je croyais. Oh, il regarde un film. Est-ce que maman est contente? Maman est très contente. Gazi lui a donné des chocolats et un film. Dans ce cas, je vais te prendre quelques médicaments pour aider mon ami. D'accord. Maman ne fait plus de crise depuis que sa tête s'est transformée en citrouille. Ils sont sur la table. Merci, Gazi. Merci, Gazi. Rend tout le monde content. Notre ami Gazi. Ok, son film Charlie. Alors, donc on a récupéré tout ce qu'il fallait. Apporter les médicaments à Lena. C'est parti. Produits chimiques. Qu'est-ce qu'on peut lui prendre? Est-ce qu'on peut lui prendre autre chose? Non, ça n'a pas l'air. Allez, on va ressortir par le toit. Oui, comme ça, on laisse Gazi protégé, on laisse pas de porte ouverte. Ne soyons pas cons. Et il fait jour, cool. Alors, il faut qu'on essaye de descendre à un endroit où on risque pas de se casser la tête. Par là, c'est pas mal. Allez! On se la fait en rapide. Allez, à tout de suite dès qu'on est arrivé. On est arrivé! Alors, on doit retrouver Lena. Prendre l'ascenseur. Ok. Ah, n'hésitez pas à me parler du format si ça vous a plu. Hein? Mettez des commentaires.
Mais n'hésitez pas à mettre aussi des pouces bleus si la vidéo vous plaît. Alors, échanger. Non, par contre, on va pouvoir vendre, peut-être. Du café. Est-ce qu'on a ça? On trouve chez n'importe quelle cuisine, sucre, levure. C'est fou ce qu'on peut faire avec. Objet nécessaire, lichen toxique. Je peux pas le vendre ça? Ça vaut que dalle. Tous les objets de valeur. Oui. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait lui acheter? Acheter. Alors, clé à molette. Petit couteau simple. Non, je veux de la gaz. Ok. Et avec ça, on va pouvoir faire... Kit de soins. Ok. Et ok. Cool. Alors. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il nous veut, lui? C'était du joli boulot, 31. Crane, c'est ça? Oui, c'est ça. Je m'appelle plus 31. On doit descendre. Alors. Un truc que j'utilise jamais, c'est mon instinct. Il n'y a rien à ramasser ici. J'ai ton anti-épileptique. Ah, merci. Comment ça s'est passé avec Gazi? Il est peut-être un peu bizarre, mais c'est très bien obtenir ce qu'il veut. T'as rencontré sa mère? Ouais, elle avait l'air heureuse. Si maman est pas contente, personne est content. D'ailleurs, Brecken m'a demandé de te passer ça. Avec ses remerciements. 500$? Ouais. Niveau de survivant augmenté. Alors. Compétences. Niveau de survivant, qu'est-ce qu'on va débloquer? Shuriken. Apprenez à fabriquer des shurikens avec 3 effets supplémentaires. Givre, brûlure et explosion. Ou troc. Améliorez votre compétence de marchandage, réduit de 10% le prix dans les boutiques. Je ne sais pas. Les shurikens, ça m'emballe pas non plus pour l'instant. Booster. Utilisez les plantes pour créer des boosters. Allez, on va améliorer notre compétence de troc. Ok. Alors. On va en terminer là, pour la première partie de l'épisode. Hein. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à me balancer un max de pouces bleus pour la vidéo. Je vous dis à tout de suite. On se retrouve dans la suite. Que la force soit avec vous, les amis.